père, il disait, patron, est-ce que tu bois un verre? Eh oui. Ah bah oui. Les soyeux n'étaient pas des gens qui étaient enfermés dans leur bureau avec des manchettes de lustrine. C'était un monde qui voyageait beaucoup, qui était beaucoup plus cultivé et beaucoup moins, qui avait un esprit beaucoup plus ouvert qu'on ne le croit maintenant. On ne devient pas soyeux, sauf si ça fait partie de l'histoire familiale. Cédric Brochy rejoint ses bureaux du centre de Lyon, le fief traditionnel de la soierie. Il représente aujourd'hui la quatrième génération des Brochiers. Ici, cette profession inspire toujours le même respect. Ce métier n'est-il pas synonyme de luxe, de savoir-faire, d'exotisme? Cette société appartient au réseau des petites entreprises familiales, dont les Brochiers constituent une des familles les plus connues et peut-être la plus jalousée. Les archives réputées de Bianchini-Ferrier, l'un des plus prestigieux soyeux de la place, ont été rachetées dernièrement par Cédric. Une pratique assez courante dans la profession. Ils ont commandé combien de mètres? C'est juste pour faire une robe ou une robe de chambre, chose comme ça? Oui, normalement c'est 12 mètres. D'accord. Fait une belle robe de chambre quand même, 12 mètres. Donc ça c'est le coloris qui a été retenu. Oui, c'est celui-là. Oui. D'accord, ouais, très bien. Coucou. Ouvre. Ouvre-moi, s'il te plaît. Coco, oublie ce que je t'ai dit. Coco. On a fait des robes pour Catherine Deneuve, pour d'autres projets, etc. En gros, il y a des années un peu emblématiques où on est quand même pas mauvais, donc on vient nous chercher assez volontiers sur ces sujets-là.